Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler un peu de mes nouveautés et qui va vous demander un grand merci. Alors, pour commencer, la petite nouveauté, petit chouchou qui est arrivé. Alors, je vais vous le montrer, bon, j'ai pas très loin. C'est cette petite merveille. Attendez. Voilà. Voilà, c'est ce petit chouchou qui est arrivé. Il n'y a pas très longtemps, je vous montre ce truc-là. J'ai même fait un film. Et dans le film, il y a tout ce que pourquoi on a choisi ce nom-là et comme ça. Alors, on va vous expliquer, je vais vous expliquer en détail. Alors, ce cheval est un papeau qui date de 2002. C'est un ami pour Noël qui me l'a offert. Alors, il est très très abîmé au niveau de la crinière. Voilà, la crinière s'enlève un peu. Bon, au niveau de ses crins, il est très abîmé. Mais c'est pas grave, il lui manque un étrier. Donc là, il y en a un. Il a beaucoup de couleurs, un peu comme Flicka. Mais Flicka, je l'ai acheté comme elle était en fait. Bref, il est vachement abîmé, mais ce n'est pas grave. Là, en plus, il manque le mort. Enfin, bref, il manque un peu tout. Mais tout simplement parce que c'est un vieux slash qu'il avait, enfin, un vieux papeau qu'il avait récupéré. Et je suis très contente parce que c'est un de mes premiers papeaux. Et en plus, il est trop beau. Alors, son nom, il s'appelle César. Tout simplement pourquoi? En fait, mon ami me l'a apporté à l'école. En fait, sur le chemin de l'école, ben, il me l'a apporté. Et comme j'ai d'autres copains, copines, bref. On cherchait un nom pour ce cheval et un de mes copains m'a dit il ressemble pire à Jules César, un empereur romain. On travaille justement à l'école, bref, ça on s'en fout un peu. Mais en fait, il disait qu'il ressemble trop à Jules César parce qu'on a regardé un film en plus à l'école d'Astérix et Obélix. En plus, les cheveux étaient les mêmes. Et en fait, mon meilleur ami, c'est que pour faire un slash, bref, m'a dit que Jules César lui irait bien. Et pour finir, on l'a appelé César. Mais son vrai nom, c'est Jules César, tout simplement. Parce qu'on trouve qu'il se ressemble, mais moi, je trouve pas. Mais bref, c'est un cadeau. Alors, ils ont choisi ce nom-là. Je trouve que ça lui va bien. Je trouve. Voilà, mais il s'appellera César. Voilà, bref, c'était pour César. Je vais le mettre de côté. Voilà, je vais le mettre un peu sous l'écran. Après, c'est beaucoup pour vous, chers abonnés. Tout simplement, ce que je veux dire, je vous souhaite un grand merci. J'ai 40 abonnés. J'ai eu des commentaires hyper gentils sur ce que font nos sèches quand on n'est pas là. C'est une vidéo depuis un petit moment que je la prépare. Et aussi pour Fort Boyard, je suis désolée, mais à chaque fois que je veux faire, je n'ai jamais le temps. Presque pratiquement jamais le temps de faire la vidéo. Tout simplement. Je sais pas pourquoi je n'ai jamais le temps de faire la vidéo Fort Boyard. Soit parce que j'ai des trucs à préparer, soit parce que j'ai des devoirs, bref, des choses toutes banales et toutes classiques. Soit parce qu'il fait nuit et j'aimerais bien tourner Fort Boyard quand il fait jour. Et comme je rentre assez tard, il fait déjà presque nuit quand je rentre. Et en fait, le temps que je fasse mes devoirs et tout, tralala, bah, il fait nuit quand je tourne. Simplement, on peut même le voir maintenant. Youpi, vive la nuit. Non, il y a une lumière qui reflète, bref. Vive la nuit. C'est super hyper chiant la nuit. Ça, je vous conseille. J'ai hâte qu'on soit en été pour faire des vidéos. Enfin, pour que le jour dure beaucoup plus longtemps. Qu'il fasse plus chaud aussi, bon. Pour que le jour dure beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux. Enfin, beaucoup plus longtemps, on va dire. Voilà. Et je peux faire des vidéos un peu plus de bonne qualité. Parce que les vidéos. Ces vidéos-là sont vraiment très, 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 très mal tournées. Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Et je n'ai pas pris le bon endroit pour où il y a le plus de lumière. Tout simplement parce que je pense que César est là. Voilà. C'était plus facile pour moi d'aller le chercher. Bref. Et ça ne me fêterait pas d'aller dans un coin de la pièce et un autre coin de la pièce. Ça, vous devrez normalement comprendre que c'est un peu chiant. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous souhaitez un grand merci pour mes 40 abonnés. Maintenant, j'en ai 42. Je suis hyper contente d'avoir 40 abonnés. Pour moi, c'est déjà un énorme, énorme. Il y a 40 personnes qui me suivent. C'est super. Je vous remercie. En tout cas, vous appréciez ce que je fais. Et je le fais pour vous, pas pour moi. Enfin, un petit peu pour moi. Non, je rigole. Je le fais pour vous. Et aussi, j'ai Musical.ly si... des abonnés qui viennent s'inscrire, je vous dis que c'est Musical.ly comme ça, ben voilà. Pour ceux qui aimeraient bien suivre aussi mon compte Musical.ly, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Bref, j'espère que là-dessus, ça vous a plu cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt
et un grand merci. Bye.